Yo les gens, c'est Mister Chancy, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo assez spéciale puisque je vais créer des épisodes de série télé numéro 3. Donc voilà. Donc là je filme avec mon trépied de façon à ce qu'on voit pas trop ce que je regarde à la télé. De toute façon j'ai mis mon coffret Canal Plus de rire sur la table. C'est parce que je vais regarder un de ces 4 DVD. Donc du coup voilà. En même temps d'écrire les épisodes de série télé. Voilà. Donc, bah, commençons sans plus tarder. Donc là, je vais allumer le lecteur DVD. Voilà. Et la télé aussi. Voilà. Donc, il y a 4 coffrets. Il y a 4 DVD dedans. Donc, il y a... Par ordre, hein, il y a les guignols. Voilà les guignols de l'info. Coffret de Coné Garcia 1 plus 2. Voilà. Il y a les des chiens, Splendeur et Gloire des chiens. Voilà. Et les nuls de l'intégrule 1 plus 2. Voilà. Et donc, poussière dans ma. Poussière dans mon coffret. Donc, bah, ce que je vais regarder tout simplement, c'est. Bien. Je sais pas. Allez. Les des chiens. Je vais regarder ça. Ça. Voilà. Hop. Donc là, j'ouvre le lecteur. Je vais mettre le DVD dedans. Hop. Je vais prendre mon portable, enfin mon téléphone plutôt. Ah, par contre, là je suis coincé, je sais pas comment je vais faire pour passer. Aïe, aïe. Voilà. Je débranche mon téléphone. J'ai refait le tour, je passe derrière la caméra. Oupsi, oula. Ouais. C'est bon, j'y suis passé. Voilà, donc là c'est le générique de l'émission, enfin du DVD plutôt. Voilà. Donc c'est un coffret que j'ai acheté à Cultura de la Défense, à Paris. Commencer par un série classique. Le lot ou l'unité? Bah, le lot, on va prendre le tout. C'est Hein. parti. Bah, oui, c'est parti. C'est sûr, c'est parti. C'est qu'à toi.
Qui c'est qui a taillé? C'est Toyosana qui a taillé la haie? Bon, alors, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres, partout, là. Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu. T'as même pas lu ce que t'as acheté ton père? Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor? Non, c'est pas au programme à l'école. C'est pas au programme à Ça non plus, c'est pas au programme, dis donc! Et tiens, tiens, en alors! plus. Ah, mais dis donc! Alors, Poulidor, ben d'accord, t'as commencé à 13 ans, hein? T'as commencé à travailler à 13 ans, bon ben son... T'écoutes quand on essaie de t'éduquer? Il a commencé à 13 ans. Son père, il a acheté un vélo, c'était son premier vélo, il me dit. Il faisait tous les jours 10 km pour aller au travail, 10 km pour revenir, c'est ça qui a donné l'idée. Hein? Et ben, il n'a pas arrêté de faire de la bicyclette. Hein? Il est devenu un champion à Nance, du guide. Toyo Sonnen, il a gagné le Tour de France? Ah non, plus dans mon cul. Yosana, est-ce qu'il a gagné le Tour de France? C'est une femme. Et Jeannie Longo, c'est pas une femme? Jeannie Longo, c'est pas une femme. Ah, il va me dire que Jeannie Longo, c'est pas une femme. C'est pas une femme, Jeannie Longo? Oh putain, alors! Alors, elle nous fera chier jusqu'au mat, hein? Fera chier jusqu'au mat, ça, je. Ah, ça, il nous fera chier. On t'en fait même pas sortir de l'auberge. C'est un gré au sable.
C'est en sable feldspathique. Un sable feldspathique. Feldspathique. Qui a été compressé à 800 bars. Et donc, vous avez la partie déversoir, là. Oui. Et puis son danse. Voilà. Et puis imitation 13e, peut-être. On va présenter l'objet à nos amis. Multi-usage, hein. Tout à fait. Il peut aussi bien recevoir de l'eau. Du vin. Comme du vin. Il est très solide, très résistant à la chaleur, au froid, à tout, à toutes les températures. Alors, on met sur le feu, pour mieux éviter peut-être. Alors, c'est un objet que l'on trouve à quel prix, monsieur Saladin? 88 francs. 88 francs. C'est une somme tout à fait honnête. Eh bien, pour obtenir, recevoir cet objet, vous nous téléphonez, vous nous écrivez, ou alors vous composez le 3615, la boutique du mercredi, et vous le recevrez très rapidement chez vous. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Il n'a même pas réussi à attacher son pyjama jusqu'en haut, il s'est tout.
dors dans ton panier, du fromage, quand tu dors dans ton panier, du fromage de chez Morel. Cette publicité, vous l'avez bien sûr entendue, aussi bien à la radio qu'à la télévision, que peut-être sur vos journaux. Cette publicité donc a rayonné pendant 3 années déjà sur tout l'ouest de la France. Et aujourd'hui, la fromagerie Morel peut être fière d'un chiffre d'affaires non négligeable et peut se dire prêt à entrer sur le grand marché européen. Mais, et Yolande, mon épouse, sera d'accord avec moi, même si nous entrons de pied ferme vers l'Europe qui nous tend ses bras, pour nous, l'entreprise reste une affaire familiale. Et Yolande sera d'accord avec moi. L'entreprise, pour nous, c'est une grande famille. Chaque petit ouvrier, nous le connaissons. Nous l'avons vu grandir. Quelquefois, nous les avons vus se marier déjà entre les autres. Nous embrassons leurs enfants. L'entreprise reste une chose familiale, même si nous sommes tournés vers l'avenir et vers l'Europe. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mr. John Cena. Sur ce, ciao à tous.